Guetta. Mbote, mbote, bonsoir, bonjour. Toye, suso. Botangi titre, botangi titre. Titre, titre, titre. Botangi, la nouvelle civilisation. Wapi binu, naye, nouvelle civilisation, polémique autour ya nativité, boyaka, boyaka. Na signalé bandeko, kokoti. Bokolimbisa na bo partagé. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bande konalingi na pesele la nouvelle civilisation. Eh, mokili elinge zonga na forme. Na yebi ki Kongo te banduku bapangi ba fesa. Misa mbanu jalungana. Yelusalemi. Tata jalungana ye asiminzela kei atiki biso. Bien que aptiki toujours ba provision. Bisoto ye poto banda kosakola bango. Po basakola ki bango te. Dango biso ba mama tuka to ye to sakola bango. Noele. Noele. Yoka se bende. Batuba lobi meno wale za fete ya bapagano. Bo rekipere ndenge lili bakimani se ba rekipere. Ngana ebi si bango na lobi boza la kalme. Po ba rekipere angoko. Message e ya bie. Nouvelle civilisation. Avec le sauveur universel. Ngulu zikimbangu. Yala kayala. Wapi bino bana. Boya boya to fungola bino. La nouvelle civilisation, c'est quoi la civilisation? Et on expliquait aussi l'aliénation. N'a pas quoi les lots suppose. N'a c'est pas comme ça la moi. N'a chauffé, chauffé, chauffé. Bonsoir, bonjour. Maman fait ça hier le soir. On a lundi sabbat en Angaï, bah ni bah quoi sabbat, on a bah sur le Zanatina. On va en aller toujours, toujours bah. Bah parce qu'à comment la tata moi les États-Unis à l'obi Angaï roulage. Oh,
kombo e koloba mabokili mobimba pona ko expliquer masolo esala mina mbanza kongo na mbanza kongo balike kamba ya mwana za mbanza Jerusalem kumwa mbanza mokonzi ya Jerusalem mbanza abota mangana mbanza kongo a Yesu suna mbanza uwa wapi babe asaliwa alo bawa ya awazonga jupona wa sujeti bawa zonga jupu to explique bino bo comprendre mystère ya réincarnation mystère ya baba masolo elo go tikali na nganga na sosola mwaki na sosola kipongo voilà. Nous avons fait un mot là pour là comprendre les choses. Merci beaucoup. Chers amis, bonsoir, bonjour. Mama Feza, la grâce divine aye soso. Naye li sousou bande koba bolingo parce que nazali kotala ba mouvement ya makamundenge za kokende naza kotala ba vidéo bazo tindela ngai ba appel bande ko nanga nazo sabino message ngai Mama Feza naza kopesa message tamboli message kei. Nazo zo bapela ndenge na ndenge e na eko comprendre ke message ke inango tamu suto zo kanisa kaka bato Facebook mwa muke obolandie net siko obolandie ro boze bele avana kote sinyalenga deja ke soki combien de soki 100 personnes baza en ligne mais tala nombre balandaka tango usiri sa prene ba kumolanda pre donc ba hypocrite fo bolandaka live po ya in benediction ki so en direct. Oui, il y a une bénédiction qui sort en direct. Alors, na comment na tata na mwana na moli mosanto, na ni ko fungula bana ya tata kimbangu. Pe ba oyo bazana ba incrédule. Oyo ba foti na bino te ba boti, ba boya ka deja tata kimbangu. Yango pe nyoso tu ko ya na sima ba kososo la kate. Sikonga na iko expliquer bino yango siko. Titre na ngai na beteli bino wana nouvelle civilisation. Oyeza révélation. Nouvelle civilisation oyeye na sauveur universel. Moutou oyo ako arrêter le temps pour redémarrer le temps kombo na ye tata kimba. Alors nouvelle civilisation ezali nini ndeko na ngai na pesa bino deja mbangu to gagner le temps. Allez to pesa définition. La civilisation est l'engi koloba. Na lopoto babengi yango, développement de caractère propre à la vie intellectuelle, morale, artistique et matérielle d'une société. Tokoki koba ki sa na place pe intellectuelle to tiepe religieuse. Hein? C'est-à-dire, civilisation, par définition, veut dire développement de caractère propre à la vie intellectuelle, morale, artistique et matérielle d'une société. Exemple, civilisation grecque. Alors, voilà la définition déjà de la civilisation. C'est-à-dire développement des caractères propres à la vie intellectuelle, morale, spirituelle, artistique et matérielle d'une société. Donc, c'est-à-dire développement de quoi? Des caractères. Développement des caractères,
développement de comportement. Alors, dès que je suis une nouvelle civilisation, je suis inauguré na boye ya Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, oyo to biye ye siko yo azali lokola pilier azali lokola noyau oyo a démarré tous les bakitani nyonso oyo bakiti na nzela na ligne ya Tata Kimbangu. Alors nouvelle civilisation lokola za développement de caractère ou de comportement bomoni siko yo biso baindo. Je préfère le dire en lingala. Veuillez m'excuser les amis qui ne comprennent pas le lingala parce que là, je vous ai toujours dit que le peuple congolais est un champ de travail. Donc, nous sommes là d'abord le peuple congolais. On ne vous oublie pas, vous qui parlez que le français. Mes excuses, je veux vraiment parler à notre peuple. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui peuvent ou qui peuvent comprendre ou connaître Tata Kimbangu, mais les autres ne connaissent pas. Alors, nous sommes là pour les parler. Alors, bande konangai, développement des caractères propres à la vie intellectuelle, spirituelle, artistique, morale, matérielle d'une société. Yango babengi yango civilisation. Donc, toza komona biso baindo, tango ba mutamutu impérialiste était, mais bon, quand on dit impérialiste, bon. L'Afrique aussi était impériale. Hein? L'Afrique aussi était impériale. Il faut interroger l'histoire, vous allez voir. Alors, quand on dit impérialiste, c'est vague. Donc, parce que l'Afrique aussi était impériale. Il y avait aussi une Afrique impériale. D'où, par exemple, Congo, Diantoti, là, c'était un royaume sous forme d'un empire, hein? Parce que ça reliait des États. Hein? Voilà. Alors, bande konangai, ba Congolais, likambo tozali lelo kolobana bino ezali likambo civilisation, to utaki musika, to kosamaki. Mingi! Peut-être en vérité, baniko ya mingi bazana na koma spirituel, nous bazana nuna, bah qu'est-ce que c'est? Parce que toko sa makimingi. Alors, ce qu'on dénie zaliwana, mindele, tout le monde n'est pas exemple civilisation grecque. Biso ba oyo tozali ko benga tito na taya R de la vérité du verso. Civilisation grecque, ce que vous voyez koli yango, civilisation grecque, grecque n'a rien fait, grecque a triché tout. Na Egypte. Tant que je suis en Egypte, kuna a changé mon bakombo na ye, a sali lokola net ke ye danger. Ok, danger te parce que bakanga ki na makambo ebele. Yango ba romet tango ba ye ba sangani, après ba romet ba zui, grec, ba sali pe ya bango mokili. Donc, la culture, c'était vraiment propre à l'Afrique. Hein? Quand la science déjà dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça semble un peu être compréhensible. La culture était propre à l'Afrique. L'Europe n'avait aucune culture. La culture de l'Europe, ça provient des Grecs, et des Grecs qui ont appris ça. Alexandre le Grand, Égypte antique. Donc, vous comprenez que c'est ça ce qu'on peut même dire. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, tango bango ba nation wana babaniko dondwa, babeta ki boule, balobi ndenge ni tokumba mokili lokola biso tozali soko kozwa ba koloni tozoko konza bango tozoko konza bango ndenge ni tokosala babeti ideologie ni ideologie balobi te ndenge zali wana d'abord bazali pe na ki racisme na bango balobi te toyini makambo mingi pa baindo mais biso tozana projet faut que tout bote la moindo makambo na ye nyonso oyo azalaki na yango ya bien bongo to inventer masolo to babeta ba ideologie babeta ba salipe makambo tozo kobenga bible authenticité à message ezalaka bible te oyo biso to tuzu na 15e siècle na tango bakala ezalaki ba biso ki ba papyrus ba parchemin voilà ba koko na biso lisusu kutu ba zaiko komana kata minute ba os di chango na kati kuna ba écriture moko mystique ezala kati po il faut tanga ngo il faut ala initier po olembula nini wana po otanga écriture ezana kata mkuwa wana oyo babenga ki ba écriture sacré excusez-moi les égyptologues appellent hiéroglyphes biblos ça ici ko baboma ki ba écrit ebele na ba parchemin na ba papyrus tout consort donc wana za biso ba tuto luka ko tanga histoire to so ma ba livre to tanga pour to ko luka to kanga sika nini ba buka ki lokute sika nini boda boy alors bande konangai bazui idée balobito éduquer mokili na ndenge na biso de façon ya ko aliéner pe bato aliénation ezali
état de la personne asservie, soumise à de telles contraintes qu'elle devient étrangère à elle-même. Voilà le mot aliénation. Soumise à de telles contraintes qu'elle devient étrangère à elle-même. Donc, aliénation, c'est ce que je veux dire, c'est ce que au point que ozali na yo mitiki o komi même étranger yo moko mi yebili susute. C'est ça l'aliénation. Alors tant ozo mi yebali susute baba ni kokoto ba makamu moko oyo ya éducation ya batimus obungi. Nous sommes biso tozali ba lokola la génération moko victime ya aliénation. Si ko tant o bazo ya ko expliquer yo ke par exemple yeso azaki mwindu et panike yo olobite azala mwindu pembe ezali biso yo ke tosaka ka ndenge moko asukufaki pona biso nyoso akufaki pona biso nyoso pa wapi botanga botanga bible yango pe bien aya mwana kuma koloba ke bible ndete batu yere na yo comprendre ke no bible batu so poto sonda yango bien ete batu yere teme totanga nde bien te to medita pe bien te tozala ki pa assister peut-être la molimo ya nzambe te parce que ça na ba passage au pe na bazo la sa noirceur ya kolo yeso lokola apôtre Jean na apocalypse amona kayé na île de Patmos balobi ke ba mon makolo na ye eza mwindi lo ezika ki lokola makala soki na ye eza lokola la laine bo biso ko tali la laine bo komon eza la kalokola elinga mwinga e Ezekiel pe ye pe aloba ki yango Ezekiel pe aloba vision na ye na je crois na Ezekiel 40 je crois Ezekiel a pesa ki kazala ki aspe na ye eza ki ya mwindi donc ba trace eza la ki na yango eza ba trace eze bele Job 30-30 ils ont parlé même Job, Azala qui a mis ma peau noircie, et ça libre, c'est de battre ses arguments. Mais c'est seulement, ma place, c'est pas d'accord pour changer. Bon. Nouvelle civilisation, Toko Samaki Mingi, Babouki Lokuta Mingi, Yango Vente le Bando, ya Batouba Indo, Kakaba Congolais surtout, Bazali ko Zala épaté. Alors, tokosi na likambo tozo benga ya polémique au polémique autour ya nativité oyo ezali ya kolo Yesu koya na ye ya mibale na avec un nouveau nom. Bande kolo tout commence par papa Kimbam. Tango so boyiye, tout le reste pe o comprendre dans ote. Soki ndimiye, tout le reste o comprendre dans facilement. C'est ça le problème. Babo tinabiso ba parents ba yambaki tata Kimba muté ba sosola ki yete. Alors, pour nani pe ba sosola ki yete, faut ko tala pe tant wana ya colonisation anyoko maki ba tunaye o ya format ke faut ba soit relé ba nyokola ki bango ba tindi bango ba onde boka ba relégué ba tindi tindi bango na ba place moko ba travaux forcés pour que message ke ndete tambolaté. Message à tata Kimba muza ki fort. Oyo ba bimise la biso koloba ke ate yaki Yesu Christu azali envoyé ba lati pe ba témoignage abatu ndenge bazolo ba de gauche à droite mais il y a des certaines des paroles oyo papa ki manga loba ko epanika ki pe bango oyo ba comprenant ke oyo akomi koloba bonzambe na ye oyo oyo komi penga bonzambe na ye azolo ba susu te ke musali ya nzambe hein ba benga ti ankutu terme moko ndire akoma ki deja na on dirait à ça qu'on s'est levé un peu de trop, tout ça, tout ça là. Donc, il y a ma kamwebele bazaki qui a étouffé à tata Kimbam. Bande konangai papa Kimbam ou aza vivant, aza réel. Tata Kimbam ou mokolo a koufa kana le bisaka bino. Biso ba oto sa la skou pe banquette pour nous tala pe ma kamunaye. Tango to moni yango. Tata, wan, tata Kimbam ou tango a sekwi a kendaka. Komi moni sama et pas ya bakolo akene komi moni sama pa na bango hein ba o ba sai ko fete na Leopoldville balobi ah enfin akufi bazo mela ba champagne bazo sepela abimela ka bango en chere annonce abimeli bango ba pakata donc mutani ngona jala abimeli ba tuni ngona doka za mutu moko sa nini ase kwa ki mission ya tata Kimbam je crois na le blague na ba vidéo mususu bolandi yango. Alors toi comme on a tant on a lobi que nouvelle civilisation avec les grands sauveurs universels toni to loba ete mokili ndenge tozo kende boye mokili eza ko s'étendre vers o babenga mon nouveau cycle ezo ko s'étendre vers nouveau cycle et nouveau cycle on a to ce qui binoto ba babenga ngo like mbangu oyo batuti sikono ba ondi mate
bazana nous bleu, ba congolais bazana nous bleu, ba pasteur bazana nous bleu, et il y a comme moi mouvement mon que je sale ma discrètement et je sale ma timidement et pas y a ba pasteur voulant réhabiliter l'évangile pour na que Kolo Yesu Jésus-Christ yenda za l'élever na Congo tout ça ngana yebisa ka bango tout simplement que ce temps-là est révolu. Et ça révolu. Pourquoi? Parce que c'est fini. C'est l'ère Kimbangu, Moutou, Ezako, et c'est bandi. Mais ça ne se sent pas trop. Voilà pourquoi, par définition, la civilisation, l'okola par définition est l'obité. Développement des caractères propres à la vie intellectuelle, artistique, etc. d'une société, il fallait déjà commencer par inculquer mentalité yamoto akosamaki à se réappartenir. Parce que abimana aliena, soba bengi désaliena, doit se désaliener. Abimana mentalité oyo ke mopa yamoto akoye la yo nyoso, mopa yamoto akola kisa yo nzambe, bien ko zalaki na nzambe, ba yo la so nzambe, donc c'est incompréhensible. Mopa yamoto akoya ko la so ndenge yo ko sambela. Mentalité wana, il faut longwa pour comprendre que binonde bozalaki na nzambe binonde bakoko na bino basambelaki nzambe bayebaki ye pe bazalaki koyoka ye pe bayebaki bazalaki baki très avancé et les gens baye na bamboka na bino bazui mayele na bino na sima babaluke li bino et alors basali tout pour que bozala toujours anianti anianti po bangba matamata et voilà lelo comme on dit toujours hein, même si la le butu eza molayi Tongo e finisa parotana. Tongo e linge tana siko pona biso ba indo. Bato ba indo tongo e linge tana. Oubye se tana ki. Tongo e tana ki deja na boye ya tata ki mbambu. Parce que ya zali lo kwa li reni du jour a ye. Mwinda e ye. Pona ko eklere moto mo indo. Abimana molilo e bakoti sa ki ye. C'est ça la civilisation. Comme zali développement de caractère propre à une société. Bato ba caractère to sala ki na yango ya ba et, même ba étude oyo bande konga na moni ndeko moko apesinga yini ni en tout cas je suis pas vraiment contre mais vraiment pour une nouvelle civilisation babilo ko wana je pense pas que mboka ko bozala na ngo besoin ndeko moko apesinga ba photo oyo ba école bele ko motonga makuna bande ko ba bolingo eza combat c'est-à-dire obalingi te mboka wana Congo RDC o eza le poumon de l'Afrique, balobi bien. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Alors, comprenant que le Congo démocratique, les amboka moko poumon, ezali na présence en Zambie na kati, ezali na makambe belé, les gens sont venus se concentrer à la République démocratique du Congo, afin que basa la résistance stratégique, ça ne se sent pas. Et ça, le roi résistant au bandeko, basa la potote. Résistance, il y a qu'on refusé. Van wana oyo ezo ya ya nouvelle civilisation et yé nan zela tata kimba. Alors, ba eloko sko bazali ko sala ngai na ko tolérer té. Par exemple, kota la ba école par exemple. Afrika azali ko yeba même pas valeur ya école. École yango babenga ki tasima kambo mweza ki nengwana ndenge ni toko meti na nivo toko malieni toko mamaka mnuso tuka kaya ya babala etranje che la chèvre de mese sege la chèvre de mese sege bozo repete ya bino moko tubo bwaka ndenge ni toko mena nivo wa c'est ça l'aliénation on peut pas comprendre mboka moko oyo d'abord bakosa ki bino tro bokosa maki mingi mais boko miko tia ba ekole ya bapaya na kati donc c'est que lobby ba chinois pe bako tia ekole na bango ba musulman ba tie école na bango ba po na moni wana ba tindelinga ba israélien pe ba tie école na bango ba d'ailleurs catholique et tia pe école na bango mais laissez-moi vous dire hein, l'éducation soko bokamati éducation ya bana na bino bo pesa mona bapaya mais excusez-moi quel avenir meilleur espérez-vous là demain mais vous allez avoir vos enfants, l'avenir va dépendre de cette éducation qu'ils avaient reçue. Il y a une civilisation, c'est-à-dire développement des caractères.
de mentalité. Baza ko pe sabino par rapport ya système ya enseignement, bozo tan sabino na école, ça va développer un comportement na kati ya bana na bino. Alors, un pays qui se veut être grand, ko kamatanelo ko tali lokola système pédagogique, ko pe sango na bapaya. Moi je pense qu'il y a un seul problème, des manques de prise de conscience. Ya bambo ka mutindo ya bo. So ko tali lokola Chine par exemple, ezambo ka moko so to tali ya ngobie, ezambo ka moko lokola ki a s'appartenir. Alors bien je suis chinois. Je vais parler chinois, je vais manger chinois, je vais penser chinois, je vais prier chinois, je vais faire tout chinois. Et aujourd'hui, moi qui les a remettés là, ils ont remetté la Chine, ils ont remetté là, ils ont quoi acclamé, ils ont remetté la Chine, mais bon quoi. Ba misusu ba batir ba empire na bango ba mboka na bango ya koyiba batu ba tongi makamu na bango ba fandi. Mais ba vérité comme ko bimé comme la saké non, pourquoi ne pas simplement copier les bonnes choses et dire que non je l'ai na joie qui a moi pas ya mutu boye, na développer na perfectionner en openga moko et c'est tout aussi une bonne chose. Donc c'est ça les problèmes tous ont souffert. Donc ce qui veut dire tous ça qu'on s'étend dans la nouvelle civilisation pourquoi? Nouvelle civilisation parce que bato baindo ba il faut pas s'appartenir d'abord. Tout se désaliéné. La désaliénation donc to boyi o nyonso, hein, ndenge balobi aliénation, état de la personne asservie, soumise à de telles contraintes qu'elle devient étrangère à elle-même. O komi mopaya yo moko, ndenge to komaki. Ozomi yeba souté. Alors dans la désaliénation, il faut se quoi au milieu bas. Na simanango obanisko ko embrasser biloko ezali ya yo moko. Alors, comme le quoi na lobi que nouvelle civilisation avec les grands sauveurs universels. Et ni ko lobani, yango makam to bandi. Avant to koisa, avant ba koisa Afrique, ba yaki na nzela ni ya o etali spirituel, ba yaki ko toucher religion. Ba ye ba lobi na bino ba yeli bino évangile. Message wana ba yela ki bino. Yamba mokonzi obiki ozu mokonzi na likolo masumu na yo passé présent futur elimbisami ce qui est faux déjà parce que yeba yango même kolo Yesu ye moko atambola ki na kubanga tata na ye pe alobi boza la ba imitateur na ngai hein. Oyo baloba ka apôtre Paul aloba ki ni soyez mes imitateurs comme moi je crois comme moi je le suis de Christ. Donc c'est limité en quoi na etamboli na ye kolo Yesu ye moko atosa ki tata na ye. Yo suko sa kolanda ye ni kolo bateke kolo sa kufa ipo nanga otambula na vina yo. Kaka lo yenge la longe paske bakufa ki pona yo. Eza malamu te ba esplika binu malamu te. Non, tu vas preparer le ciel, tu vas preparer ton eternite maintenant. Vigo soko vivre nilo, yango soko prepare yango pona lobi. Biso ba ye to fola ki la mort. To affronter cette realite la. Alors to sa mye place ya koeb sa bino. Ke présent vina yo reyel osa ko prepare le eternite ici. Sur terre. Alors, baye koye bisa biso bato baye koye bisa yo ke Yesu akufa ki pona yo, yo ndima ye obiki okoti bokonzi na likolo. Oyo nyonso to akondima ye te akeyi aza kondani. Soki to tali bien na kati Afrique ne tozali ko vivre na bakoko tango kala avant bango bayela biso message bango bayeli biso wana message oyo soki to tali bien. Évangile ebandaki na Afrique d'abord, mais ndenge yango ezalaki na Afrique, ezalaki makambo ebele ekotaki na kati. Biso ba oto soko luka pe na histoire ndenge balobi, hein, faites des recherches, bo bandu bo luka buka, bo comprendre bo kanga moyibi ne lokwa yibaki. Alors tant tout ça la ba recherche, to soko luka po na kotala ba biloko mususu. Ou mona par exemple, l'idée même ya culte wana oyo yaki wana po na sa makambo wana. Ezalaki parce que le monde ezalaki ko vivre ba guerre de civilisation. Bitumba gauche droite na so se lève contre une autre ba dire ba conflit et tout ça. Yesu ayaki na ta oyo même propre mboka na ye ezalaki déjà asservi na ba étranger ba envahisseur o to benga ki bango ba greco romain. Aye na ita wana ya lo kwa tata kimbangu. Aye na ta ya colonisation na ta ya mboka na ye za dominé. Ezali asservi. Ndenge peka kakolo Yesu ayaki,
Et cela qui peut na mboka na ezaki a servi. Alors au premier abord, abunda ki na batuwa nana nute. Ya ya ki nanu d'abord na avec un message, ne ki ba comprendre. Na sima nango ba otala makambwana après. Batu baba ya ki pe ming babi me. Biso to nga to bima na pasi yozo bete la bisosu baba. Ba philosophie ebele, to tika masum, to tika mabe, to se repentir bilo ke bele belwa. Tata kimbangu ye tangu ya ye aye kakate ba philosophie. Ya ye aye ke boko zwa indépendance, boko bima na boumbu. Boko bima na boumbu, boko zwa indépendance. Mundela koma mutomwe moyinda koma mundele, ça veut dire que place oyo bango basali bino boko zonga na place wana boko zala nango. Donc ce qui veut dire que non, ah, il est venu te remettre ce que tu avais perdu. Mission ya tata kimbangu et ye ko remettre à l'homme noir ce qu'il avait perdu. Hein? Donc concept même ya ye tata kimbangu na katika na tata kimbangu, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Na papa kimbangu toza komona non seulement bonzambe na ye, mais toza komona pe mission na ye oyo ya kobikisa kobibisa biso na bombu, toza komona pe ndenga eko restaurer moto moindo po ete moto moindo azonga na position azalaki yango asufraki po apaye le prix. Toza komona na kati na ye pe tozo mona bo patriotisme, nationalisme na kati pe zalaki na kati wana. Et puis soki botali bien idéologie moko bakotisa ki wana na kolo Yesu po na ye d'abord il avait combattu la pauvreté, à combattre la pauvreté au point de dire que non, il n'y aura pas d'indigents parmi vous. Et ça, la Bible, par exemple. Il y a moi, après ça, qui idéologie, à que non, celui qui a des tuniques, donne ça une à celui qui n'en a pas. En d'autres termes, pour avoir un équilibre dans la société, en fait, qu'il n'y ait aucun indigent. Donc, on a déjà mentalité avec quoi inculquer dans la bâtre. Maté, il y en a Israël qui, pour avoir côté sa bâtre, un certain humanisme. Mais, autre, ben, il y a un bon monde. Kokoti sa humanisme na kati ya bato. Pona kozala na comportement moko ya ko vivre bien na société. Pendant temps oyo ya ko wela na ya bitumba ya badili tout ça. C'était un révolutionnaire pacifique. Kolo Yesu un révolutionnaire pacifique. Tata Kimbangu révolutionnaire pacifique. Eza bato oyo ba ye ko luka ko mema une nouvelle donne. Une nouvelle idéologie na kati ya mokili pour que bato ba pense si ko boye. Enfin de fonder un nouveau monde. Bande konangayi na kotanga tanga histoire na eko découvrir que ba traite négrière même wana e bandaki avant kutu Christophe Colomb a découvert l'Amérique o e memaki bande ko ba indo kuna na kati na bomu. Donc ça veut dire quelque part que Amérique est tongami grâce ya ba indo mingi ya ba noro ba somba ki na esclavage et tongami ne grâce na bango. Po ba ya ko sala ba main d'œuvre ba ko sala bango ba nini tout ça na to découvrir ya une histoire. Donc ce qui veut dire bas ba on peut pas benga ki mon civilisation. Si ko na ta oyo lokwa to zo bima poto kota na nouvelle civilisation. Na ye na sujo ya polémique autour ya nativité ba li deuxième nativité de Koloïsu. Batu wa zo lo bango avec audace. Ngape na zo bango avec audace pourquoi? Mais à partir de l'importance na ce ki bino ya temple wana ya kamba. Rôle na ya joua ki place ya fanda ki yende mutu azwaki ke ye faza la place wana yango ne sali ete yende azala kolo Yesu parce que kanga kolo Yesu mutu yende azala ki na bolingo ya makamu ya temple ya tata na ye akipaki yango. Et ce qui est encore bizarre ou qui a mis la puce à l'oreille na ba réflexion wana prénom ba pesa ki yes, eza ba prénom moko stratégique. Il y a des gens aussi parfois qui nous embrouillent, ils disent ngape na zaki na ba mentalité a bongo a peu près. Mais si on a comment comprendre un peu pour na ko ramener ba to na pensée ya tata Kimbangu, il a fallu ba biloko moko petit kala kana bongo pour ba to ba sosola. Les prénoms ba pesa ki même na ye Salomon, Paul, ces deux noms là eza symbolique, eza codé, eza ba komo moko codé. Salomon, vous le savez bien, c'est lui qui était le premier à bâtir le temple. Hein? Parce que David a dit que papa a tongé dans le temple, dans le boya, lui, Otoni Makila, Otoni Langa Angote. Cela montre aussi les caractéristiques de Nzambe. Namakamounaye, Nzambe a l'ouka quantité. Namakamounza, mais ça, c'est que quantité. Namakamounza, mais ça, c'est que beau pesa pesa. Mais Namakamounza, mais ça, d'abord. Toi-même, la personne, tu dois lui être agréable.
Si vous avez agréable, t'es même topé, sinon, écoutez, on lui douce, écoutez, on approche, tu parles de Nayango. Alors, le premier moutoua, ton a qui tempelo, oye, pesamele à ton temple, il s'appelait Salomon. Motomoïndo Bao Bazali un peu trop pensé moko radical de point de dire t'es Zaki Salomon, ba comme moi, ba romain, bolinga ba pensé romain. Doucement. On ne peut pas changer l'histoire. L'histoire reste comme ça. Tout ce bimina ba kokolo, tout ce qui ont été à coloniser là, il y a des séquelles. Des séquelles restent toujours. Mais l'histoire, on ne la change pas. Alors, tout ce qui est là, nous d'abord. Salomon. Yenda zala ki mouto il fallait qu'on ait premier temple et il a fait le premier temple. Moïse était dans l'histoire de Mose, oyo yekune zala ki tabernacle, zala ki temple portatif, c'est-à-dire bazali ko tia yango na zela na désert ba tia ba camper tant basa ko sa ba camping, ba sali mo tabernacle, ba sali culte. C'est Salomon né à tonga ki temple vraiment, édifice. Et difficile ou en attendant batoni à celui ci à celui peut prier mais tout à quoi qu'on dit la kawa yokai ataye na makamo ma ben dingani yokai c'était Salomon. Alors temple moi après la qui détruit deuxième temple qui qu'on bonga bah qu'on retape à moi à peu près et après bah détruit ça qui temple moi coloyer solo bah qui détruisez moi c'est temps après trois jours on relève à moi bah quand ça qui est bah le bâtiment. Mais Azaro parlait du temple de son corps qui est quoi? L'église naïe. Mais Tolongwe wana, malgré ça, temple peut être sous détruit. Na, à chaque fois qu'il y avait des envahisseurs, à chaque fois qu'il y avait Batobazali ko kote la mboka wana pour na konduke lango ba problème. Donc on visait beaucoup plus les temples. Pourquoi? Parce que présence yanzambe na bango. Oyeza force ya mboka ngo yango wana. Donc il faut viser les temples. Et une fois que bah simbi temple bon dans la Bible bien bon mon à chaque fois ceux qui va détruire Israël chaque fois ceux qui déjà temple ils a déjà suyé bah toucher côté kuna bah ebi que bah atteindre déjà mboka parce que les temples déjà suyé bah ça y va na dégnana donc chaque destruction est bah dans un temple temple ils a voulu que ça spiritualité ils ont la ça banganzambi ceux qui banganzambi bah lembi banganzambi bah quoi isami donc ils allent très dangereux pour na mboka ya Israël biblique. Oh, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils sont très dangereux parce que ils ont déjà une force motrice, une force motrice, pour atteindre. Alors, quand ils sont là, les ailes de ta maison me dévorent. Ils ont été en train de se faire. Et ils ont été en train de se faire. Relever tout le temple. Alors, tant que Yahya a accueilli, temple Zala qui détruit. Mais il avait dit, il a été dit dans la prophétie, dans le passage Joanate, mais vous pouvez chercher vous-même ceux qui vous ont dit, vous avez dit, vous avez Bible. Et le moment a été, tant que Yahya a été dit, il a été dit, sacrifice, le temple, il a été dit, il a été dit, il est venu. Il est déjà venu, ou les vrais adorateurs de droit en esprit en vérité. Et ça, n'a pas vivre en déphasage des temps. Batoubazo vivre en déphasage des temps. Batoubazo penser, nous babi renouvelle ton intérêt sur le sacré présent. Batoubazo penser, ma kamou et le kaka. Batoubazo et batte que cycle est changé. Tant que toujours nous basso le l'air est venu, ou les vrais adorateurs de droit en esprit en vérité. Là, c'était dans les temps là. Les temps de la grâce, oyo, c'est là qui était. Koloye soya ki na première arrivée, bay ki message na tawana et puis sa mère ki bango o yandimi a pambola mi pe ba pamboli ba baptisé au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, azui baptême tout ça. Tous ces messages là, isa ki na tawana. Mais il a été aussi dit que une partie ya peuple basa endurci d'Israël, en fait que quoi? La totalité des païens, ba paganisme, donc nation idolâtre, la totalité des païens soit gagnée. Après alors, le salut va rentrer auprès de ces peuples-là. Tant que salut est zongé la bango, alors qu'est-ce qui devait se passer premièrement? Tant que bako zongé la nzambe na bango, tant que bako zala restaurer, premièrement c'était quoi? On avait encore parlé de quoi? De la reconstruction du temple. Baloba qui temple. Donc, ça, il y a quelque
quelque chose que nous devons nous entraider na ba makambo nga na zo lobango ça ne tient qu'à moi parce que ceux qui n'ont pas senti dans un message mon boye, je dois quand même expliquer. Écoutez, botan la Bible est bien, bino ba oyo bozo, bon mika ko dissocier l'église et le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu endurci. La Bible est là qui ko ba bi ba oyo ba ndima ki kolo yesu na seria liboso ba bengi bango ba juif messianique. Donc ça dit ba ndima ki penda boye ya liboso, yango ba benga ki bango ndenwa. Mais oyo ba boya ki ba tika ki bango ndenwa na alors, tango a deuxième tour e kozala, tango a koya ba lobi ke ba ko reconnaître ye. Ba koye ba ye bakozwa kombo ya sika oyo bako révéler kaka na ba oyo esengeli ba pesa kombo ya sika wana temple ekosale ba lisusu. Donc c'est à dire dans la restauration ya peuple wana et baloba ki te temple bako rebâtir temple tango bako rebâtir temple ba sacrifice ko ya ba offrande ba nini tout ekozonga temple wana temple pena physique pas temple ndenge zake non notre corps est le temple du Saint-Esprit Dieu est esprit et ça eza tan wana c'est leki eza cycle wana c'est leki une fois que le temple est ali construit c'est fini to koti na cycle msusu soki ozana de ozana de oza ko kubona na ndevu wana koti déphasage donc ozana déphasage ozana déphasage ya temps ndenge bazoloba yo ozana déphasage de temps. Donc, ma cambozo qui est de moyo, qui est na gauche. Donc, peuple congolais, il faut comprendre que, boye yina tata kimbangu, il fallait qu'il a matérialisé ba profession et senga qui a restauré le temple. J'aime bien passage on a répété à mini, il y a Osée 5, 15. Et l'obé que je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent quoi coupable. Donc ça veut dire quoi? Azawana na biso. Mais à l'obi, nazali wana na ko titango na ko zela. Bango moko bako savoué coupable. Bako ya ko luka elongi na ngai. Et alors, na ko sauve bango. Tango bako zela na détresse. Tango ko yinde la bango. Bako zela recours na ngai. Nde ngai zambe na ko sa. Donc c'est où la demeure de Dieu? La demeure de Dieu, selon la Bible, ça a toujours été dans les montagnes. Montagne de Sion, ça a toujours été dans les collines. Yango bomoni mongunda satana kopiakanika kanzambe. Tant balobi que là, la suite des temps, la montagne de l'éternel, la maison de l'éternel sera bâtie dans la montagne, dans les collines. Mais c'est ça la demeure de Dieu. Alors, si vous tango sikoyo, ngongango e beta ki ete aya bati a temple wana. Nous ne sommes plus sous l'église. L'église, c'était le temps de la grâce pour que la totalité des païens soit sauvée. Si comme maintenant, comme c'est une affaire de se concentrer auprès des peuples élus de Dieu, à tel point que l'Esprit de Dieu, n'est là que vous allez donner à tout le monde, n'est plus. Et ça, c'est mon livre, mon ami, ça, c'est mon côté. Botan la Bible bien. Esprit en disant, monsieur, comme il départit proportionnellement, il y a un pona batu. Ma poni, on a ma poni, batte, il y a un amolimo. Pour que Bino Bobo consulte ce que Moutouan a un amolimo. Et ça, l'indigne, ça a dit dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Imaginez la vie de l'Ancien Testament, comme on parlait là. Nana, moi, ça a baptisé. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Saoul, le coup tout le temps, moi, Pengba, Botoli, Esprit, à Zoulé là. Alors, il y a un peu de l'amolimo, il y a un peu de l'amolimo, il y a un peu de l'amolimo. Pour ça, là, qui. Enfin, il va privatiser quand même. Mais. Nana zala ki apre na molimo wana ezaki David. David ta nga sumuka bien a gêné le biko privé nga molimo te na psaume 51. La prière de David après ça son adultère avec Moïse Abata. Hein? Alors, bande ko nangai molimo ezala ki na tango akala ko pesa mela ba prophète ko pesa mela ba roi ko pesa mela ba même ba chantre. Même ba chante bazo zo molimo na nzambe de auto bazali kaka na service bango nde bazako pesa bango molimo. C'est le peuple n'avait pas ça. Le peuple ne fallait qu'il yenda yaka, d'où l'importance du temple, d'où koya ko tubela koya ko confesser et tout ça là. So imaginez ce que soto comme na tamoko
makamongo ne zongi mais ce que nous avons en réalité parce que toko sama ki mingi parce que baté que bon makamongo ce que et comme ya bango bazo comprendre te église réveil peuple Jésus-Christ ba na boy bozana de fasage ce qui cycle ne c'est lequel qui nango bandi ko babolingo c'est lequel qui nango voilà pourquoi il faut expliquer, il faut enseigner biloko pour que tu comprennes que vraiment l'état, il y a un gars qui a dit que le temple à Kamba, il y a ceux qui va expliquer en bien, tu vas se bien. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Parce que si c'est une église, toutes les églises, comme il y a camaradité, comme il y a camaradité, pourquoi aller à Kamba? Puisque il y a une église. Temple à Kamba, c'est une dimension qui est en Zamba, Zongi, Ndenge, à l'obagina, Osée 5, chapitre 5, verset 15. A Zongi, à l'o, à Kena demeure, là, à Fani Kuna. Donc, dès l'instant, Balobaki va reconstruire le temple, ceci était d'abord, premièrement, la bénédiction ou patrimoine spirituel. Il y a peuple Wana d'abord, avant que ça soit pour les étrangers. Pour balobi ki nzambe azongi na peuple na kati ya peuple na yi afandi afandi wana afandi na bango Emmanuel donc afandi na bino alors maintenant ba pasteur ba église Jésus-Christ bokonzi na likolo temple kuna pisu na kamba esali siko cacophonie esali siko désordre esali siko toubou donc la RDC est en forme de toubou. Donc ils ont formaté, ils ont été finalement, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Imaginez qu'il y ait des étrangers qui vous analysent. Ils ont été en microscope. Peuple, ils ont été en train de se faire. Oh, tout le monde a été en train de se faire. Bon, l'église, ils ont été en train de se faire. L'église, Jésus revient bientôt. Et l'église, la manne cachée, l'église. Toutes ces églises-là. Ne savez-vous pas que c'était aussi un mystère? Parce que l'église, mission à yé, ezala ki d'abord, pour esimbane ba païen, ba yeba, parce que ezali bala ya kolo yesu, na, ba païen. C'est-à-dire que tout totali bien. Parce que ba msusu ba passe, msusu ba bimsa enseignement que non, Joseph en Égypte, a bala ki, une femme égyptienne là-bas, ça préfigure l'église. L'église. C'est-à-dire, lui, comme il a quitté le père, il a quitté le trône de son père, il est venu pour épouser et tout ça là. Pendant que Pepe Naye, Basalaki Nani, mais vous devrez comprendre une chose. Merci Saint-Esprit, merci beaucoup. Quand on parle de l'église d'abord, to banana nous d'abord, il y a église, l'épouse ou la fiancée de Jésus-Christ. Tout bien à bout, Jésus-Christ, bien que de manière que nous appelons la souveraineté. Mais, il y a un colo Jésus. L'église. Mais vous oubliez qu'il y a dissociation. Et ça, il y a un cabo entre l'église et Israël en tant qu'épouse. Balobina tata Nzambe, j'appellerai ta terre épouse. Nakobenga mabele na yo mwasi nyanibal. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? Israël biblique était l'épouse de l'Éternel Dieu. L'Église c'est l'épouse de Kolo Yesu, le Fils. Et c'est pas pareil. Raison pour laquelle ce qui m'a dit dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de plaintes. Oyo Nzambe azali kolobela Israël, loko la bobale alobela ka mwasi. Alobi, montre-moi la lettre. La lettre de divorce que j'ai écrit à ta mère. Montre-moi la lettre de divorce que je t'ai répugnée. Malgré que tu as multiplié ta prostitution à de nombreux amants. Jusqu'à ce que Israël biblique revienne à l'Éternel son Dieu. J'appellerai ta terre épouse. Écoutez,
Il y a un peuple, il y a une nation qui avait l'alliance avec Dieu. Nzambe yabakoko. Alors, terwanande yeba benga ki épouse. À parier, il y a ezali na séparation. Bokeseni ezali entre Église et Israël en tant qu'épouse de l'Éternel. Mais nga na zako comprendre te bakamati épouse de l'Éternel Israël ba sanisie na Église, ce qui est très grave. Voilà la raison pour laquelle naboye ya tata kimbangu. Ça devient logo moko logo la bato bazo comprendre te. Bana misa tu trois voilà, bazo comprendre te. Sikoyo kamba ezali wana papa kimbangu kyangani. Baza kozoye pe ndenge moko na ba pasteur nyo sotu. Donc kamba ezabongo sikoyo Noël et bandi ko célébrer balobi tata dialunga na kyangani Noël abotami. Alors sikoyo bato balobi me mitu ebe bibi sosoko tozo comprendre te. Mais ba igis de réveil. Bango bazali ko bien vraiment moi je sors de l'église de réveil. Je sais que dans les églises de réveil d'ailleurs même fête à Noël peut fête rajouter parce que la date de 25 décembre est conventionnelle. Exactement conventionnelle. Mais historiquement parlant on a retrouvé c'était la fête des sorties d'hiver. C'était une fête païenne où bazali ko célébrer changement de temps. Hein, to bimina na cycle ya kala to zokota cycle sika et alors il faisait des cultes au dieu soleil hein donc voilà et ça fait que et fête yango zalaki un peu kala. Alors les églises de réveil bangole ba comprend ba bibon ça sert pas à rien de toutes les façons hier soit cinq ka bisoté to célébrer motama na ye il zalaki ne to célébrer kufa na ye même na tango ba koko tango kala les gens célébraient beaucoup plus la mort parce que ça qui na valeur. Pourquoi? Parce que là on commémore. Hein? On commémore motama na ye, c'est-à-dire souvenir ya boye na ye, ya misala na ye, ya makamu na ye, saki pe tango ya kei, on fait un résumé sur la vie de la personne bilo kwa lingaki, bilo kwa salaki pour que ba comprendre et ba dernière volonté na ye, ba répéter ango mokolo yango, pour que si koyo et ça la quand même que ba revivre même kolo ye soit lobaki yango, alobi na liloba na ye alobi net sainte scène. Pourquoi recommander à chaque fois que vous allez à sainte scène, vous allez célébrer Koufa Nangai, Pebo Yel Nangai. Donc c'était une cérémonie, c'est un symbole, mais il y avait une grande importance dans le cadre spirituel. Alors, il y a une église de réveil, bon, fête à Noël, apparemment, et il y a une catholique, parce que les catholiques adorent beaucoup de fêtes. Catholiques adorent beaucoup de fêtes. Alors, et les églises de réveil, bah, bah ça, on a fait, au fait, il y a Noël ou un athée parce que, bah, on va bisous, tout benga, bah, on a Noël, donc, vous avez dit, non, pas de Dieu, oh, non, Noël, elle veut dire Dieu, donc, non, pas de Dieu, pas de Dieu. Donc, c'était un peu des trucs comme ça. Mais, laissez-moi vous dire une chose, nouvelle civilisation, ça veut dire nouvelle mentalité, développement des caractères propres à la vie intellectuelle, spirituelle, morale, artistique, matérielle d'une société. Ce qui veut dire, Tobani Kotalasiko, par exemple, tant que tu as le kamotali en nativité, ya papa dialungana. Il y avait eu la mentalité na bato ke kolo Yesu abotamaki mona na Nzambe, abotamaki le 25 décembre, mais cette date là je déplore papa moko yo tozo le ba kombo na yemingi te mais aza koloba makabo moko na moni aza na délire spirituel mais totikeli eta adasuka na ye parce que à un moment donné ako peut-être ako se remettre à la raison parce qu'il y a certaines des choses azo se plaindre na ba politicien nga na zo mona yazani na raison na côté tali ba politicien aza na raison makambo lo bila bango mais na côté tali makambo ya zo bimisa quand il touche côté spirituel wana aza de côté aza na aliéné aza na ko croire beaucoup plus na oyo ba yela ki ye wana azo bosa na ke to komi na temps ya sika. Oyo baso benga ngo l'air du verso, c'est-à-dire l'air de vérité, l'air oyo makamuno surtout oyo bomba makezo mettre nu, o c'est-à-dire que oyo tuba kosaka ezo bima nu, c'est l'air de confrontation à vérité et l'air de possession de l'héritage qu'on appelle peuple noir. D'où la nouvelle civilisation inaugurée dans la personne de Tata Kimbangu. Chers amis, mutu tango azo lobela bino ke non, Noël le wana le 25 mai, batuni e date ya le 25 mai alobino
et pas nanga, je ne connais pas cette date là. Nazana ezali date moko ya lokuta et date ezali le 25 décembre. Voilà pourquoi na lobi, voilà c'est que biloko oyo ba peuple congolais baza ko leisa bango. Non 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 non, tala nouvelle civilisation yende na tata kimbango. Laissez-moi vous dire peuple congolais, toujours tala papa na biso oyo na kombo na évangéliste oyo bazo benga ye comme ça trop public azo le ba public non. Je vais profiter pour nako pesa ye moi ya nomuke na kobunga zali na yango ba congolais botala ina bino moko awa. Excusez-moi, je vais balancer cette image. Voilà. Voyez-moi ça, allez. Vous parlez trop de Simon Kimbangu. Parlons un peu de la date du 25 mai. Vous appuyez ça? Vous êtes d'accord avec la date-là? Non. C'est une date totalement fausse. Comment ça encore? Oui. Le peuple de Dieu doit écouter la lumière. On vous dit le 25. Bakimbangi, c'est nous, on a un moment où on a des missions, on a la diaspora partout, hein? Bah, yébi, hein? Mes frères de Dieu, mes frères et sœurs, binonyon sobozala Bakimbangi, c'est. Boye baké date wana, ils allaient ni révélation te, et outil ni na zambete. La date y a 25 mai, ils allaient naissance yanan. Naissance y a dialongana kiangani. Qu'on appelait Salomon aussi. Dialongana kiangani azanani. Aza le père, y a kiangani, ou aza chef de l'élo, l'église kimbangiste. Or, si on parle d'abord de l'église kimbangiste, on voit qui? Les combos en a kimbangot. Mais kimbangot lui-même il est né le 12 septembre. Donc, totalement, il y a déjà une contradiction. Pourquoi on ne célèbre pas la naissance de Simon Kimbangu, on célèbre la naissance de Dialongana? Oh, l'église porte le nom de qui? De Simon Kimbangu. Parce qu'on parle de l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial, et Simon Kimbangu. Mais là, d'où vient? On vous a menti. On a menti au peuple de Dieu. On vous dit que non, pas... Voilà, ça c'est... Oh là là! Oh là là, mais c'est tous ces pubs-là, c'est pas possible, hein. Ils doivent payer, hein. Ils doivent réclamer toutes ces pubs-là. Noël, que l'église catholique célèbre le 25 décembre, c'est une fausse date. Jésus n'était pas né le 25. Et nous, je vais vous donner la date que Jésus était né, donc la date de Dialongana. Non, mes frères, ouvrez les yeux. Écoutez, la date de 25, là, n'est pas... Il est Noël, soit disant. D'abord, Noël, ça ne vient pas de la Bible. Noël n'est pas un mot de la Bible. C'est un mot de la mythologie grecque. Alors, mais la date du 25 décembre, je dis bien décembre, selon le calendrier romain, est biblique. La Bible ne parle pas de décembre. Il y a trois calendriers que nous pouvons considérer. Il y a les calendriers juifs. Dans les calendriers juifs, Jésus était né le 9e mois. Le 24e jour du 9e mois, le 24e jour, c'est la nuit, et les gens se sont réveillés directement le 25. C'est comme ça que l'église catholique n'a pas tort de se réveiller dans cette date-là. C'est comme ça que l'église catholique commence la nuit, chaque ce qu'ils appellent Noël. Je ne suis pas d'accord avec Noël, je suis d'accord avec la date. La date du 25 décembre est juste, parce que Jésus était né le 25e jour. Et le 24e jour du 9e mois. Or, lorsque quelqu'un est né à 0 heure, ça devient déjà hein, le 25. 9e mois, tu vois, descendre. Parce que date, heure, l'heure change à partir du 0 heure. Alors maintenant, parce que les gens se sont réveillés le 25, ils ont vu maintenant un enfant qui est né, qui s'appelle Jésus. Or, le 9e mois, dans les calendriers juifs, c'est ce qu'on appelle dans les calendriers romains, 12e mois. Voilà la révélation. Et le 9e mois là est biblique. C'est dans la Bible. Et donc, l'église catholique n'avait pas menti. Maintenant, amener cette date là, c'est que si l'église Kimbangu c'était une vraie église, si l'église Kimbangu c'était la vraie église, l'église Kimbangu devait seulement enlever le mot Noël. Et célébrer quoi? La naissance de Jésus, parce que Jésus est né. Mais ce qui est encore curieux, l'église catholique vous dit que non, la date du 25 décembre est fausse, mais l'église catholique sortait une autre, et l'église qui m'a dit sortait une autre date du 25, mais célèbre encore Noël, parce que Noël n'est pas de la Bible. Est-ce qu'ils connaissent d'abord la signification du mot Noël? Et non, la date du 25 mai, c'est une date fantaisiste fabriquée par Dialongana et Dialongana Kiangani. Voilà pourquoi je dis à l'église qui m'a dit que Dieu n'existe pas là-bas.
Et les Simon qui... Non, Dieu n'existe pas là-bas. Comme ils sont attaqués, ils disent qu'ils m'angissent. Même les Simon Kimbangu n'a jamais existé là-bas. Simon Kimbangu n'existe pas là-bas. J'ai toujours parlé ici des peuples de Dieu. Les Kimbangu, les Simon Kimbangu dont moi je parle, je ne parle pas de Simon Kimbangu de l'église Kimbangu, cela. Non, je parle de Simon Kimbangu, l'esprit du prophète. Parce que Simon Kimbangu lui-même a dit ceci, mon corps, ma personne physique subira l'humiliation. Mais ma personne spirituelle restera au combat jusqu'à la victoire finale. Maintenant, moi, je suis connecté par la personne spirituelle de Simon Kimbangu, pas la personne physique. Parce que la personne physique a été humiliée, il y a un bakanga qui est dans la prison. Bien qu'on ne peut pas, on doit considérer les corps du prophète. Voilà. Alors, voilà, Bagima Yaboye. Le col à ma camboya, Zambé Zenga va débattre parce que Zali, Moutouna Moutas, c'est pays à mon okonaye. Mais, bon, moi, ni Babilo Kaboye, peuple congolais, Tangazo Landango, Namoutounaye, il croit que à partir d'un argument. Et puis, bon, analyser un peu l'argument de Moutouna Moutou, hein, peuple congolais. Il faut analyser bien le cas de l'Oba. Premièrement, tant que tu as dit que tu as dit que tu as l'air du verso. Ils ont l'air de la vérité. Ils ont l'air de la haute. Ils ont l'air de la haute. Ils ont l'air de la haute. Inspiration, la source, la défense, ils ont l'air puiser en quoi? Bah, grec. Ils ont l'air de calendrier grec. Calendrier, tout ça là. Or, dans la Bible, il y a un peu de temps, Luc. Luc chapitre 2, je crois. Il y avait, dans verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc, dans Luc 2, chapitre 8, Luc chapitre 2, verset 8, il y a Moutaza qui s'identifie dans le Bible. Imaginez dans la Bible, dans la description. Ba berger ba petre ba troupeau na bango na veille de la nuit, hein? Pouvez-vous imaginer que ezala en hiver, par exemple le kola ya ebiko décortiquer que 9e mois ezala quoi 12e mois na bango. Donc imaginez ce que ezala ke na butu na basala ngo ce que zalité zalita ya mulunge ta ya chaleur o ke batwa ko za mais un peu plus tard na libanda. Donc c'est-à-dire que quelque part de toute façon trop de polémiques wana eza pour animer la galerie batwa bandako lobaka lobaka ndenge ya zoloba wana et tout ça et azoloba lobi date wana eza fabriqué par Dialunga na Kengana. Voilà des gens qui sont mal informés na makambu bile. Il faut qu'on cherche ko yeba ki et qui tata oyo aza ko se plaindre na ba politiciens na ba makambu ebele aza d'accord te wana eza ça va. Maintenant o etali spiritualité to etali ba makambu susu il faut lo bango avec réellement révélation parce que ndenga zo loba ngai na zo ku tukomona ke il fallait que tu na tia yete pour abebi sa même émission nanga parce que aza na ba dimat ayebi tata Kimbangu te ayebi tata Kimbangu te Ayebi, mouto ayebi tata Kimbangu, en fait, bargimane est beaucoup plus. D'abord, ngai moutoutou azali basé na Jésus-Christ, hein, et que azali ko s'identifie na ba calendrier grec et toutes ces histoires-là, et za bato baye ko maintenir obscurantisme wane fanda kawana. Ma kambo ya kolo yesu lo kolo azaki moindo, pe azalaki mouto abimengi na Congo, et le faux ko zon gisaye na authenticité na ye, na ba origine terrestre na ye. Wanande za pena vrai temps de l'air du verso. Et puis deuxièmement, tango yazo lobela bino kuna na ba vidéo ndenge na boni ba vie belé boyé, qui est non faut date ya le 25 mai et za faux azo appuyer le 25 décembre, mais moi je dis bien que azali azana erreur. Date ya le 25 décembre d'abord ezali soka yebi français za conventionnel donc ba ba s'arranger ba bito tia. Donc c'est déjà dès le départ ça a été prouvé que ça n'a pas d'attention à tes mains, ils allaient conventionner. Donc batuba yo kanaki bati. Mais la vraie date, ba estima qui à peu près est tombé entre ba avril, ba mai, ba donc ils ont nagé entre avril et mai. Selon enquête oyo ba oyo ba sala ki ba recherche nango à peu près. Maintenant, le colon de copapa a sali qu'on manquait ou babengi en révélation à tata Kimbangu. Voilà la raison pour laquelle tout est forcé na yesoka koi kote wana. Bao e bazui révélation à tata Kimbangu. Tango bazo yo katata oyo. Bazo comprendre yeke asuki wana. Il est limité là. Mais il faut pas qu'il bêtise.
mais azo continuer de bêtiser, mais bon, on ne sait pas pourquoi on va permettre l'eau quoi et makambo exister total ango. Peut-être on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire tout ça là. Donc en tout cas, papa Oyazana révélation tata Kimbangute, il s'identifie beaucoup na tata Kimbangu, maïbi tata Kimbangute. Deuxièmement, tant que koloba ke date wana ba inventé yango na papa Dialungana, aza sous-informé parce que ayebite qu'est-ce qu'il y avait na date wana. Ayebi déjà le tout commence par tata Kimbangu mututo déjà dès le départ à comprendre yete à comprendre pe. Bana na yete à comprendre même pas pe. Papa Kimbangu qui a gagné parce que a, dès le départ a comprendre été a sosoli na papa Kimbangu te peuple congolais laissez-moi vous dire une chose hein. Dimension ya temple wana za na kamba kamba lobi ke nzamba za kasuku na te tondenge ni laissez-moi vous dire so ki nzamba za kate même biso ba oyo pe oyo tonga ki pe to mona makambo akuna te tonga to mona papa Kimbangu te tonga to mona papa Kimbangu ki anga nite tonga ki to zwa ba biloko biso to mona quand même na ba komate et puis ce qui balobi te ezaki kala bien mais siko nde baby ce sont des distractions o to ba kapena distraction porter ya temple wana ezala ki o nga na so ebisa biango na fungoli bino awa eza nouvelle civilisation il fallait qu'on restaurer le peuple de Dieu. Mais jusque là comme nation nan ndimi tata Kimbangu complètement te pleinement te mais temple na yo wana te bazuya ngo na dimanso sengele zalate pourquoi ba réseau ezebeli. Premièrement il y a beaucoup de tendances des religions eza na place na Congo tant que ba religion na pezali ezali pe ko jouer rôle ba politiciens na bino de point de vue même constitution ezali laïque. Ce qui veut dire que notre liberté à religion basse la manie n'abord mais l'État ne s'intéresse pas à ça. L'État ezali à part ma religion vous avez toutes vos libertés. Église de réveil, Église catholique, protestant, musulman, banito tout ça là. Oh papa qui m'a oublié mon calubaki qu'il y aura un désordre spirituel qui va s'installer. Mais après tout ce qui est désordre spirituel là sera ébranlé. De yango de toso linga. Toyo ba ete na nouvelle civilisation ezali l'embralement yaba oyo tu ba bengi wana ba binzambi tout ça là parce que Congo le ko les ayanzambe il est en train de parler sur oyo makamweza ko ya mais aza ko maîtriser ngoka katisi ko te azo maîtriser ngote écoutez peuple congolais laissez-moi vous dire l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, il y a un autre thème qui est dans le Congo. Il y a un autre thème qui est dans le Congo. Il y a un autre thème qui est dans le pays et qui s'identifie dans le Zambé, qui s'identifie dans le temple. Et il y aura une nouvelle ère et un nouveau. C'est-à-dire, il y a une nouvelle civilisation qui est dans le Sibino. Et ça, il y a déjà en marche. Voilà pourquoi on commence déjà, il y a un autre thème qui est dans le Sibino. Il y a parmi bana il y a papa Kimbangu oyo babengi na komo papa Dialungana. C'est choquant déjà, ça panique les gens. Les gens ne comprennent pas. Mais laissez-moi vous dire, il suffit simplement de voir Rolo ya Joaki. Makambo ya salaki na temple wana kaka ye, il est le seul oyo pesa melaki ye ko fanda na kati penza ya temple. Ya Kamba. Alors que ba misusu bazana bandaku pembeni ya Kamba ba ya kande ko ya temple ba ye de culture ya mais papa Dialungana non balba ki ye toute sa vie c'est là-bas et le nom codé ya Salomon na Paul ezali pe significatif parce que Salomon devrait ye ndi asala ki temple ya liboso yango wana deuxième Salomon est venu ndenge ba koma ina Bible au premier Adam deuxième Adam donc deuxième Salomon est venu pour akotonga temple. Et temple wana eza lokola poke afanda na peuple na nzamba afanda na peuple na ye pe ba mikili mobimba le nation ya fleura papa Kimbangu alobaki ke le nation ya fleuron ici et eza na bible ndenge balobaki yango ke il y aura le temple et batu bakouta de gauche à droite na Esaïe wana chapitre 2 verset 1 2 3 4 et loba yango et c'est de Sion que sortira la loi ou les lois donc c'est-à-dire eza na dimension moko oyo malheureusement lokola batu ba comprenant tata Kimbangu bien te baza déjà dès le départ pas na papa Kimbangu za un prophète tout passe par là dès descend déjà que papa Kimbangu za prophète pour naye c'est tout à fait normal.
pour que à banaliser tous les autres et le reste. Mais ils s'amusent. Peuple congolais, faites attention à ma kamebele bozo kamikolo yo. Parce que les gens qui ont été distraits, ont détourné de l'objectif, de vrai objectif. Kamba, Mokili, Bate Bele, comment s'intéresser à Kamba? Bate Bele, comment visiter Kamba? Peut-être qu'ils ont passé la discrétion, Nabino, mais Bate Bele, Mboka et Bele, ils ont comment visiter Yango. Donc, une partie à prophétie est salée. Il y a Papa Kimbangu, et qui s'aime pour que la nation est à Kawana. Dans la nouvelle civilisation, yango to moni par exemple, lokola na mentalité na biso to yeba ki ete koloye sou nde mo bikisi yenda yek pona biso, fete komiti commercial. Laissez-moi vous dire que non. Après avoir compris, la révélation était venue. D'abord lui-même Papa Dialunga na a loba ki yango, a lobi ke non. À partir de donc, les 25 mai bo banda ko celebrer ngo bo lobela partout. Ezalingai. Oyo ba lukaka partout. Ye moko loba ki yango. En dehors na ye, il y a aussi beaucoup de choses. Oyo et relata ki volonté à papa na ye pour que akipe makambo tali temple. Ye mutatika ki ba mibeko ebele, ye muta a instruya ki ba makambo ebele, ba enseignement ebele, oyo bâtir le temple là. Yango wana za sentir ka moi. Selon ndenge nga na comprendre dimension ya temple ya Kamba, na benga kango église pendant na benga ngo temple ya Nzambe. Donc na benga ngo, c'est là où réside Dieu. Donc eza lokola Et ça, pour moi, la description de la Bible, dans Isaïe, dans 9, chapitre 2, et ça, c'est ça. Donc, dimension du temple, il y a des églises. Et ça, c'est seulement l'habitation. Et ça, l'habitation. L'église, peut-être que ça sera dévoilé. Ça sera dévoilé, puisqu'il y aura, l'habitation va être restaurée, la Bible va être restaurée, il y aura les temples, hein? Il y aura le coin de l'agneau, et aussi, Dieu aussi. Donc, c'est-à-dire que Nzambe tata kozala et l'agneau sera là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme deux sortes de présence. Alors, faites très attention. Na bino ba oyo bozo comprendre était que temple à Kamba, yango wana est matérialisé. Dernière des prophéties, c'est-à-dire que ezonge li peuple ya Nzambe. Nzambe na bango ye Emmanuel pleinement yango wana. Hors de l'institution, mutazo Kamba, papa Kimba, ukiangani, et na azali, azali tout do, azali lokola. Continuité toujours à ma kama papa Kimbangu et ça pour continuer et œuvre et ça pour ça les makuna et ça les dimensions à église était vraiment et ça dimension à temple et à résidence dans Zambie. Ce qui va étudier le fonctionnement, il y a temple et à Salomon, comment ils allaient qui gérer naba sacrificateur et ça là qui n'a pas des surtout au ya kalakuto au ya basseri ya ya ba potatif wana ils allaient qui ni ils allaient qui que non Aaron naba nanaye Pena tribu ya Levi mutubaza est toujours au gérer madame tel temple. Ce qui va réhabiliter va penser on a biloko wana tu akala. Bo omona ke non eza ko reprojeter biloko wana. Ezo refléter eza na temps ya image wana pe. Eza ko refléter ango. Peuple de Dieu, nouvelle civilisation et yé na dila ya tata Kimbangu. La nouvelle civilisation, nouvelle mentalité. Muto moindo luka o sa appartenir. Tango yo lingo sa partenir, ye ba yango d'abord un, ba ye liyo nzambe na yo, po ye ba ba ye ba ya ki po na yo, ba ye ba kufi po na yo, ba ye ba ye ko bimso na bo umbu, ba materialize yango, o vivre yango du concret na batwa. Ndengono papa, avec papa Kimbangu, tu as vécu du concret. Donc, o vivre du concret, o bimi na bo umbu, si manango ba tie temple, pour que si kwe sa la nini, bo zala kana rakontre na nzambe na bino, kuna. Ba solennité ndenge zalaka kala bazako ya ba paine pa ba ye solennité ba fête le rôle aneti ba événement ya ba 6 avril ba événement ya ba le 27 avril ba ou ba bengi ba solennité ki son ba fête ya bino moko oyo e affecta ki vi na bino oyo ezalaki en bénéfice pour vous au lieu de fêter ba fête oyo ezako affecter ni vi na bino Niko améliorer condition de vie na bino. Vous célébrez l'indépendance du 30 juin. Oui, ce qui bon moni que c'est vrai, yango moi toyebi ke e yakibo. Mais tango boke ko kota na ba fête lususu o ezaki lokola le 25 décembre.
qui était une fête conventionnelle. Bato basala ki yango, basala na but na bango, lelo kute koma pena fête mongo commercial parce que ça profite à beaucoup de marchés, ba kadwe ko soba ma blog ebele bele, et koma na mongo tune pousse commercial. Mais soki lelo pour que bino moko boba na ko créer sukoyo une certaine révolution pacifique de vous appartenir, la nouvelle civilisation oyeye na tata kimbangu, yango ya ezali ko banda, na biloko oye kwe isa ki biso ba yindo. C'est-à-dire, ba ye li bino go laksa ke moutou mou kakoufa ki pona bino, kombo na ye Jésus-Christ. Alors, abotama ki na Bethlehem, et ainsi de suite. Ta mou ngana loba biloko ana batimso ba kansa, mou na tiro noa asa ko loba boi. Mais laissez-moi vous dire, vous devez faire des efforts. Yako ta la biloko ba si ba denonce na mokili. Alors, il faut se approprier na ba biloko wana pour donner à titre d'exemple. Par exemple, Mama Kimpa Vinta, tango ya lobi ki abotama ki na place boui. Et une façon ya ko loba ki a dénoncé. So ki bosa ki na confiance na ye, sincèrement, appropriez-vous na o ya loba ki, pou ki boko ma peko loba yango. C'est ça la révolution, c'est ça la nouvelle mentalité. C'est-à-dire ko zwa o izali ya bosolo ko tia yango. Ko loba yango. Papa Kimbangu a yé ko matérialiser une nouvelle civilisation. Ndenge na défini ça qui développement ya caractère. Poto bimana oyo zali kaka kozo ya papa, mais bozo zo ya bino moko. Papa Dialunga na Kiangani ba oyo ba yebi yete. Ba yeba prochaka ye, ba yeba fandaka na ye, bango ba découvra ba benga ki ye le grand sage. Ba benga ki ye ba kombo ebele. Fumwa mbanza, donc mokonzi ya Yerusalemi. Bande konangai ba Congolais, laissez-moi vous dire, message oyo ya papa Kimbangu, lokola yaki pouke a materialisé toi a restauré, a sali yango esili, partiellement, msou se sa envoi, ya ko sa kopri, nouvelle civilisation ye ko ede mboka Congo. Parce que ma belé ya Congo, eza ma belé ya nzambe bolo baka bongo, mais Nzambe yango nani ba matérialiser tata Kimbangu pour que vous vous identifiez, pour que vous vous mettez à jour. Et yango ne le seul péché ya mboka o ezake e boya e pesa temple wana nesika na yango te e reconnaîtra yete. Nous avons un pays qui a reconnu plutôt le Vatican parce que Vatican muto akotsa ki religion na ye o yaki okoloniser biso yango wana. Alors après, pour s'échapper, on fait des libertés de religion partout où il y a des gens. D'où les désordres civilisatoires. Et, boye bango ke babilo ko wana tout ça éduque à votre peuple. Ils ont éduqué bana na bino, ils ont éduqué ba peuple na bino, ba école bani peko salema, et na ba école wana ba kambasa ko enseigner. Ezali makambo oyo et lobi ko sala cours circuit na une génération ils ont dans une école oyo oyo peut une école basangani. Laissez-moi vous dire, une nation qui veut s'appartenir, premièrement, avec un peu d'enseignement, avec un peu d'enseignement, bamboka oto, fani bamboka oyo, enseignement na bango zalaki très surveillé. Et zalaki enseignement moko baibi ke ba école tozo koti sa bouma. Je ne parle pas des temps mauvais que nous sommes ekomi ba enseignement moko ya ba biloko ma be wa. Non, wana nazo parler na ngote. Nazo parler nde na Oyo ezali, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a écrit quoi? La vérité blesse comme ils disent eux-mêmes. Vraiment, Tongo et comme pourtant n'a pas fait ça. Bonsoir Chantal, na sepeli comme on a bino. Bonsoir Mate Akito, Keza Bosolo, Oyo Motomoindo, Esengeli Akanisa, Boutou Elam. Boutou Elam, on a yo pe, papa na biso, na ebi koke bola la lobi moussala. Merci maman, Tango et Koki, Ingeta. Voilà, merci na bino, na moni bino, na tangi babloko na bino. Benjamin Prophète, Oza na perdition. Azana perdition, Azana mbrui. Il est tout simplement malade, c'est Benjamin. Azana bambrui, bo ke la ye. Azana pena na bambrui, ye belé. Azana bambrui, ye belé, 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 belé. Ayabi calculé. Papa Mandombe, centre à l'objet, entre 6e mois et les 9e mois, il y a 3 mois. Donc, dans le ventre de Marie, Jésus n'était qu'un fœtus, même pas prématuré. On faisait les calculs du mois de septembre au mois de. Au mois de comment ça lia mai, ça fait 9 mois de gestation d'une grossesse. Jésus est né le 25 et il est revenu renaître le 25 mai. Voilà.
Non, mais là, c'est comme ça, c'est exact. Ezali, oyo za date conventionnelle, ezali date moko oyo, ezali vérité. Mais l'arrivée des deuxièmes, de façon, ndenge baloba qui est invisible pour qui n'est dans les airs, mais dans la montagne. Ezala qui est arrivé, moko qui ne devait pas frapper de regard à tout le monde parce que na retour na koloye ce zala qui deux phases. Première phase, il fait à l'invisible, ndenge babenga ki yango. Et vous allez dans les airs, na église na ye, mais na ba version ce zali na montagne, akuta na montagne. Et là quand on a expliqué que déjà bino yango et moli mon nzambe a éclairé ba oyo ya ye po ba sosola yango. Donc rôle na ye a joué qui a deuxième retour na ye et ça li bongo parce qu'il devait venir avec un nom nouveau et vous allez arriver na ba oyo ba oyo sa ba. Voilà, c'est ce qui est accompli. Si qu'on attend to komo kende, to zo kende ce qu'on attend ya o ba benga ngo nouvelle civilisation, to zo kende na temps oyo ya. Il y aura un chamboulement. Oh, il y a un chamboulement, on ne sait pas. Parce que Congo na biso bandeko, nga na zo tala célébration ya Noël, de na lo bagi polémique. Tant on a tali ba image dans le monde, partout, toutes les paroisses kimbangiste, ba se mobiliser, ba koutani ba célébrer Noël. Faut avoir de l'audace pour nous faire ça. Voilà. C'est ça l'idéologie à Tata Kimba. Donc, bon, mi ça, parce que vous avez ce que vous avez, la vérité, vous avez la vérité, il faut que nous bayango parce que ça tant na ye, ou ye a zo soa, règne na ye, alors. Donc, mais Nathalie, ba msus ba tamoli na ba bala bala, ba sa ko beta ba fanfare, ki mangis to wana ba yemba ba loba koutou te, mais fanfare, zana onksyon moko oyo, et ça la kake, ma bolongo nyo so ezali ko koufou ka mape mounoko, so ezali ko tatolete, tata ki mbamu le sauveur universel. Eh, c'est ça là le message du moment. C'est le papa Kimbangu. Et papa Kimbangu qui est là en personne de papa Kimbangu. Qui a gagné qui est là? Oyo, makambo yozali ko bimana tant na ye. Nous sommes dans l'ère de tata Kimbangu qui a gagné. Ce qui veut dire, bandeko, na lingina la sabino bilili. Po na komi na suka ngonga pe pusani. Bilili yo na lingina démontré bino. Ezali, bomona. Impact y a fait tu vois na oyo batwa comprendre que c'est une nouvelle civilisation oyo bandi déjà ko botama faiblement mais on ne sent pas encore le jour que batwa comment ko s'approprier na cette date là parce que il est parti physiquement à Kei mais spirituellement il est là représenté encore à Kambalaba. Alors mais maintenant c'est ça l'Emmanuel. On a, vous avez pas expliqué en détail comment Emmanuel a moi vous faire un épisode libella na libella. Il y a moi physiquement baso matérialiser bino de gens. Il y a toujours quelqu'un là-bas dans le temple. Et je pense que c'est temple le dernier temple je pense parce que après oh il y a spirit oh il va quitter ça wana et que ça là je ne sais pas comment je peux dire mais ça c'est au renouvellement de toutes choses. Alors maintenant tant autosan en ango. La nouvelle civilisation, ils ont montré que tout ça patenit biso moko, tout yé baba sauveur na biso yaba yindo, kolo yé sou oto zoko loba, tangwa yaka na toura li boso na nzoto na ye, azala ki na oya ye tribu oya bimela ki, mais bien que spirituellement, azala ki dans l'éternité, mais na boye, azala ki na oya ye pe tribu, azala ki na oya ye pe contre si ta azala ki. Aye, na kouto baso baba bi mbanza Kongo, fumo mbanza donc abotami na mbanza Kongo ka toloba parce que mbanza na tuni bandeko nanga ki mbanista balobi oui ezali Jérusalem ça veut dire Jérusalem donc abotama ki tu ali bosoku na abotami pe lisusu ya tuwa mibale na fumo mbanza donc abotami na kamba bandeko nangai kososola tata ki mbango koyeba ki ile c'est kososola tout le reste na lobanga ngonde ngwana tout le reste. Alors, ce que tous ont la nouvelle civilisation, bota la na nous comment les images de par le monde, dengue fait tu ba célébrer yango, voyez par les images vous-même, je ne sais pas si vous ressentez quelque chose. Yango lo comme dit yango na sali pour na comité na bino ke, soyez pas distrait peuple congolais. Soyez pas distrait, il y a quelque chose ezo ya na mboka Congo. Mais quelque chose wana soko za prêt. Oko yambango ne sengo. Soko za prete, oko rate, oko monango na misu mo rate. Faites très attention. Et bele ba te bele ba zo distrait. Ba te bele ba zo distrait.
Bate belé et belé, bazo distraire, bate belé et belé. Tout ça pourquoi? À cause de Oyezo ya. Bota la kaka image, Oyo nanina baksabino, la première image. Nabandi na ya ya ex la chapelle Bozan et dans le bataille ex la chapelle y a Allemagne Bozan en gona l'accès kibino wana mais bah ouais bah ça dit bah défilé dans chaque ça dit bah bisous bah bimi même na oya Congo mais excusez-moi est-ce que na lingi bok bozuelo konga ina zui et ah ouais à Londres toke na Londres. Londres, nouvelle civilisation, maman Nangaye, Noël, Malobi qui est moi dans Nzambe à Botan, à Sali Temple Oyo et pour ça la rencontre n'a pas été belle pour pas se ressourcer. Botan, ah, ils sont dans Londres, dans Londres, donc, bah, Kondi Londres. Nouvelle civilisation. Ma montré ma kimbangiste. Nouvelle civilisation, le kimbangisme. Voilà. Ma flûtiste. Ah, la lena ma moda. C'est talateni. Oh, il faut ça. Il faut ça révéler. Talateni. Noël, Noël, nouvelle civilisation. Parce que tu récupères, tu récupères Noël, wana. Pour mon kili est fixé regard, et si tu as ma solo, tu es allé. Tu récupères Noël, tu vas récupérer ma solo, na bisot. Bisot, tu récupères Noël. Bomoni, bomoni Noël de par le monde, à Angleterre. Ba kondi Angleterre do ba coloniser Angleterre bande ko ba bolingo. Alors toke na deuxième image. Wana bolanda ete toke. Awa na bengi yango banane. Awa iza na Congo RDC. Bota. Mais on va faire la musique, on va faire la musique. Donc, on va faire la musique.
date le 25 mai, yangonde date ya kolo ya botamaki, ezali le 25 décembre été, donc on a basosolité ba koko sosola, to se pela bango mokola ngwe longo. Merci ba on a basosolité ba koko solo, koko sosola plutôt, allez sûr que Yesu a botama belle lo pour ba kimbangisa. Eh on continue. Continue vraiment dans l'ambiance et à Kimbangisa, ça doit continuer vraiment. Tous en avant la prochaine balle, avec différentes personnes, besoin de filer. Hein? Nous partons. Tous en côté de Nakasi, comprenez que nous sommes dans l'ambiance qui est dans l'ouest. Nous sommes dans la joie. Faites-le avec Kimbangisa. Allez! Bon, comprenez tous les autres états, mais. Bandeko, eza elo kwa isengo, na ebite soki bozo sentir onga na zo sentir en voyant ba image wana, eza ko lakisa une nouvelle civilisation qui est en marche. Parce que, bato... C'est une nouvelle civilisation, peuple congolais. C'est une nouvelle civilisation. Il faut qu'on en a coup d'œil. Il faut qu'on en a coup d'œil. N'a évité ce qu'on comprend dans nous. N'a évité ce qu'on comprend dans la société. Noël. Donc, est-ce que vous comprenez et le Koyo? C'est une nouvelle civilisation. Et Bado Botama. Bobang en goûté. Moutou Mouindou Yoka. Tant que nous sommes sur Kanisa, il faut que nous soyons sur Kanisa. Voilà, Noël, les Ali Boye, ton Dimélié, papa Kimbangu, alors maintenant, ton Nito célébré. Non, non, non. Bino Moko, vous appartenir. Vous réclamez ma maman, Bino Moko, vous avez ma maman, Bino Moko. Donc, ngai ba image là, nazo talango, nazo mona d'un coup d'œil, nazo mona na œil moko spirituel, que. On a une nouvelle civilisation ébandie. Ébandie avec nouvelle mentalité, comportement. Boza ko s'approprier na bilo ko na bino moko. Et mo paya ko ya ko yebisa yo te keno. Tala ya ki boy ba yeli bino dat moko conventionnel. Bon dibi bo celebo ango tout ça. Mais lelo menon bozo na dat ango bino moko. Imaginez lo kwa ndengwana. Quel impact? Déjà, de par religion, partout dans le monde, tous les kimbanistes partout ba celebre fetiwana. Pe ba vouyango devant les gens que non. Azonga ki na datuana, tata dialungana, kiangani, yewana, deuxième retour ya kolo Yesu, pona kubati le temple.
Oye bozo zela. Boze la siko. Rakontre na ye na montagne. Boze la siko oye zo ya. Pona eme ma lumière. Oye kome ma lumière na mokin mobi ba ou. Toko manata moko ke. Yora pu ya se pose de question. Hein? Oh non, ba doute ba nini. Tata ki mbanga soa ko mettre fin na babilo ko wana nyos. Donc, nouvelle civilisation s'est élémie, mais c'est ezali timidement. Ce qui est triste, c'est que loko la ba mboka et nation indima ki nango penza tata ki mbanga te is comme il se doit. Voilà pourquoi ba fête ya boye eza nango comme une affaire de religion, une affaire ya religion na bango. Mais d'une certaine manière, motama ya kolo yesu ya liboso ndenge komama ezalaka pe en secret motaye baka penza te sauf bawe ba revela ki bango. Mais plus tard e komi lelo oyo ti bato balukeli yango date ya conventionnel ba fete yango. Mais l'important ezalaki ya oyo apporte le bino temple papa na ya lobi okozala wana fanda wana sala makamu tuka kawana vino mnyoso tu wana ila bati bato ba prosha kiye ba viva ki na ye ba zui ba benediksyo e bele na nzela na ye ya tata dialunga na kiangani peple kongole na komi na suka kotika bino na tangi bino ben bwe malobi nini Vatican Eglise Katolik bo kosa baidu doki doki denge bo mesana kosa po kalate mingi lokuta eligi e espire. Voilà, eza penza ndenge wana ndeko. Bonsoir ndeko Valky Tumba. Tozala kina yo na feti ya nani Valky Tumba. Bonsoir. Na mona kiyo. Tu es déjà un grand monsieur. Na mona kiyo pena un grand monsieur Valky Tumba. Nga na kalisa kiyo zali jeune garçon zoka de pena grand monsieur. En tout cas, merci beaucoup na ndenge to boyamba ki pe biso kuna na mboka Zolingen. Kuna to celebra ki nativité ya papa Dialunga na Kiangani qui est le deuxième retour ya kolo Yesu pona ko bâtir temple. Ce sont des arguments o ezali cru bat ba okamwa yo za choper bino non il faut pas dire ça, mais qu'est-ce que vous voulez. Mais la suite ezo continue ezo ya papa Kimbangu vient inaugurer la nouvelle civilisation. Ça commence par le spirituel puisque tango ya liboso ba yaka na po ba kota une civilisation na ba bandaki na molimo ba bandaki na spirituel ba ila ki bino ba croyance moko wana bo ndima ki après kota si bino mentalité dépendre ba kota si idéologie ba kota si ba école ba kota na mebele. Maintenant avec une papa Kimbangu nouvelle civilisation bandi na kimbangisme. Le kimbangisme est une nouvelle civilisation sikoyo vers les jours à venir. Je pense que tout sera un peu plus clair, tout sera un peu plus palpable. Le kimbangisme, c'est une nouvelle civilisation qui est venue. Mais, en tout cas, c'est encore timidement, c'est faiblement. Mais c'est une montée. Ils ont matin, malé, malé. Bo poussana, bo so, bo kota, bo yé kolabango, bo ko découvrir. Bisous toute la génération, yé ko yé kolabango. Yango, yé ko loba yango. Bo moni, semence, tange botami, ba seme, yango, tange bouma, bota kambouma. Et koma, kasko, yé komeli, alors, ba, tu ba komi, sko, ko lia yango. Hein? Donc yango eloko oyo biso pe toza ko sala. C'est ça. Soki Yesu abotama ki le 25. Ah ndeko na ngai mwana tanga mingi ya terre poussani vraiment minu 20. Na komoti kabino. Mais no tanga soki Yesu abotama ki le 25 mais na période wana et que il était mwindu. On peut dire logiquement si papa d'Alwana avec le même corps, le même visage qui a été en Banza Congo. Ye wana kaka le il y a le 25 mai mais cette fois-ci avec un nom nouveau. D'ailleurs c'est clair déjà les uns disent comment ils ont vu papa Dialunga na batou ya cité na cornaï. Voilà, oui wana eza ba oyo ba monaki ba soki occasion ba lobi papa Dialunga na alaksaka bango ba trace ya makabwana. Alors na komi na suka émission ona ngaki na alaksabino ke nouvelle civilisation est bannie déjà, mais c'est faiblement, c'est timidement, on va sentir les angotés. Alors, bah critique, bah polémique, ça ne sert à rien de polémiquer. Ce qui est pour sanité, pour comprendre, et des bénédictions qui en découlent, dans bah ouais, bah pour ça, nan, dengue, moko sincèrement, bah ça béni. Bah yebi, qu'est-ce que bah besoin qui mine na papa dialogue, dès son vivant, na étant dans sa chair. Kolo Yesu kasi, azala qui peut vivre étant dans sa chair à l'époque là. Nana sa mona ya chère annonce comme ça. Babika ka neto la maki. Mususa lobite, mais il faut assez basse que ça. Soki papa ki bon azana masse que ça banana.
c'est trop dire les choses. Temple wana déjà et ça dit beaucoup. Peuple congolais ba distrait biloté. Nga na komi na suka message na nga ezala kika kake. Bo se préparer tozo que ne tozo se tente vers la nouvelle civilisation. Nouvelle civilisation wana izo ya malé malé mais yango nde ke komema biso na moto moindo a sa partenir pe a créer makambu na ye, hein. C'est-à-dire façon na ye ya ko croire, façon na ye ya ko sala ba culte na ye. Mais c'est une renaissance nga na zo mona ngo c'est une renaissance. Yango eloko tozo vivre yango wana. Malheureusement ba oyo ba zo ndi manalu te vous avez encore le temps. Malé malé mbé pourvu que lobi zambe a so soli sabino. Monsieur Atata Kimbangu a so soli sabino valeur ya kamba. Ngai pa nanga na mona ngo za temple penza ya nzambe. Et l'habitation de Dieu, le tabernacle de Dieu, c'est ça qui est refait à Ilokwana et non une église. Parce que ce qu'est une église, tout le monde va rejoindre Ilokwana, va comme Ilokwana, va conquérant, alors que ça n'a rien à voir. Bon, merci Naba Congolais, nous sommes sur la Tata Kimba, nous sommes sur lié, nous sommes sur le tout et nous allons décoder et nous allons comme Ikotika Bino, nous allons na Bino, Boutou Malamu, Bola la Malamu. Alors, na bandeko ba sosolité ceux qui mitune zali, je suis toujours disponible pour na oyandola. Na bandeko mususu oyo baza ba komela kinga ipe ke bazo komala so répondre te. Ezali nde ba message na sala ki ebele ebele, ba to baza toucher nango makasi bazo benganga mingi. Nazo yandola moko na moko, ce qui n'est pas facile talaka to za pe ba mama to ape na makamosa na bandako. A un moment pe ezaka parfois to komi ko éviter ba contact extérieur. Voilà. Alors, bola la mala, muna tiki bino na nzembo oyo Kongo sosola nzambe na yo. Tozali na kokene na nouvelle civilisation. Nzambe na biso apambola bino. Kombo na ye kumbama yanga yala kayala tata Kimbangu. Yala kayala papa Kimbangu kyanga ni bango nyoso. Yala ka yala tozo ko ba mémoire ya tata ya lungana. Yala ka yala ya solo bal ba renye Kongo sosola nzambe na yo Kimbangu elikia ya Afrika. C'est ça. Kongo sosola nzambe na yo ko monene na yo emonana ozo boya nouvelle civilisation bani faiblement na bakimbangisme. Lobby transformation ko salema transfiguration ko salema biso to lo bakaka alléluia amen. Merci. Alors namoni na tangi bino nyoso bola la malamu bandeko nyoso balandaki na bao ba partager nzaba pambola bino bofu wala bola muka moto moindo ko banga te makambula e bako mozo misela yo. Bazon selio makamuna yo. Sepela. Po balobaki bo yangalala. To yangalala banzambe bakitaki. Bo sepela. Merci. Merci beaucoup Simon Lukombo. Merci na bona kiyo. Nazoli ngendo sepela kielongo. Sosola kambela kibangu. Namoni ko pambola mi na nouvelle civilisation et ye na kati na tata kibangu na kibangisme. Polemiki wana to na tina na ngote. Voilà. Sosola nzambe na kibangu. C'est le message du moment. Message yango wana tout baso ya ba dimi ebele ba na ba message ya lu. Ya ba mbrui wana to yebite. Abota maki na mbanza Congo, oui, ku mbanza Isaïe, mu konza Yerusalem, l'ancien et le nouveau. L'ancienne et la nouvelle. Papa ebele basi ba yebi ka Congolais muta yebi na mito. Ngana yisi bino tona taso ya ko évangéliser. Molimo mosanto za kati na yo afani na zana kamba.
Sosola Kimbangu. Sosola Kanzambe na yo. Tata oyo evangéliste oyo azo aza mutu moko bala ndete ye moko aza ko tete bana ba confusion ebele bala ndete na biloba lo na ye fa epa kuna kota ngona mona ngo sutina te moko na baya mo bala mo Sosola nzambe na tata kimbangu akitiko materialize ba prophétie ya ya Bible pe azo kokisa mususu ezo ya aza kozwa regne na ye yango wana ifo biso tozana biso tozo babalize tozo balize chemin appartient yo moko sa appartenir peuple congolais yeba nzambe na yo sosola tata kimbangu sosola tata dialunga na sosola tata diange na sosola tata kimbangu kianga ni sosola e sosola kamba ba distraire yote peuple congolais makambo ezo ya yako mboka Congo ifezwa transformation transfiguration ali bonne soirée nzembo sili Na komo na tata, na komo na mwana, pe na molimo mosantu. Joyeux Noël à tous les kimbangistes du monde entier. Bozala ne sengo po bozana bonne voix. Nzambe asala ya mingi na kati na bino. Nzambe asala mingi pe na kati ya ba paroisse ebele suwe na biso. Mutu pe na moi, nzambe asala ya mingi. Joyeux Noël na ba flutiste. Joyeux Noël na ba jete ki partout jeje ki Joyeux Noël na bino la pesi bino na mama feza la grâce divine na pesi bino ba Joyeux Noël na bino joyeux donc botama ya bozonu ya kolo Yesu aye na koma tata dia lungana bolo babango avec audace avec impact na idéologie Esaïa solo bino nesko bo sakola Boko sakola ke masolo wana ezande yango na tata kimbangu ayaki boye makabu boye tampo tobabi boye boye na boye ngonga ebele misosola tata kimbangu nde obiki nzamba sunga ba mabota ebele tokoma na kimia na mboka Congo apre yako netoye makambo na ndenge ya pla ya nzambe volonté na esala et que son règne vienne au Congo démocratique bien que un règne wani se bani timidement mais to yebi ete que ton règne vienne et tout sera plus clair et vos assos ya mituna te parce que biso nous sortit au bon été tout est clair maintenant bye bye tokutani à la prochaine séance na sala que mission ce qui na sentir un peu inspiration moko yelinga na sali Ndenge bato bele 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 baza wose ganga mama uzo lo basu te toni daka to landa yo. C'est vrai, so ki na zui inspiration de na ye. So ki na zui te, na komi kwaka ko tala baninga misu supo nga pena zwa par nangai. Merci beaucoup, bye bye.